Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est mercredi début d'après-midi et j'ouvre un nouveau vlog. Je vais démarrer tout de suite avec un petit update de lecture qui n'a pas beaucoup changé si vous avez vu le vlog précédent. Je suis toujours en audio dans Complot de Nicolas Beuglet aux éditions Pocket. Alors pour info, c'est l'ancienne édition, je vous en parlerai juste après, vous allez comprendre pourquoi. Cette lecture est incroyable. Je disais dans le vlog précédent que je n'avais pas, enfin, j'ai pas fait le pitch et j'ai pas parlé de l'histoire parce que c'est un tome 2 et je disais que bien trop souvent, sans le vouloir, ben, on spoilait parce qu'on parlait de certains personnages qui étaient dans le tome 1, alors que parfois dans le tome 1, ben, peut-être qu'on va croire qu'ils vont mourir ou autre. Du coup, je n'ai rien dit sur l'histoire, même si j'ai vraiment envie de vous en parler, mais je dis absolument rien. Je peux juste vous dire que c'est un régal et j'aime énormément ce tome 2. Donc j'avais déjà adoré le tome 1, mais ce tome 2 est tout aussi bien. Alors, évidemment, j'ai pas encore le dénouement. Je suis passée la moitié, mais en tout cas, je me régale et chaque fois que je rentre dans ma voiture, c'est trop bien. Je continue ma lecture audio dès que je dois faire une tâche ménagère ou autre. C'est trop, trop bien. Hop, je mets mes écouteurs et c'est parti pour continuer cette lecture. Donc voilà, si vous aimez tout ce qui est thriller, policier, etc., je ne peux que vous recommander de démarrer cette trilogie si ce n'est pas déjà fait, parce que vraiment, je me régale. Donc ça, c'est mon update lecture audio, et sinon mon livre papier, et c'est le même que le vlog précédent également, j'ai pas beaucoup avancé entre le moment où je vous ai pris hier pour clôturer le vlog précédent et aujourd'hui. Je suis dans le réseau Jeanne de Heather Marshall aux éditions Charleston, une très 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 belle lecture qui parle de maternité au sens large, notamment avortement, etc. Et c'est un livre très, très, très poignant et je pense très important. Donc voilà, il me touche beaucoup et j'ai hâte de continuer cette histoire. Je pense, je vous le disais d'ailleurs, que je vais le terminer demain. Hier soir, j'ai eu la rentrée académique de mon ancienne université et du coup, bah, j'ai pas eu l'occasion de lire si ce n'est 3 pages en entrant, mais je me suis effondrée quand j'étais au lit. Et ce soir, c'est une soirée chill parce que Nico rentre enfin, il est parti 3 jours, mais Nico rentre de l'événement pour le boulot qu'il avait à 2 heures de chez nous. Il rentre ce soir et donc on va se faire une soirée chill. Donc voilà, je vais continuer et ce soir et probablement le terminer demain. Mais je reviendrai de toute façon dans ce vlog pour vous faire un petit update lecture. Donc ça, ce sont mes 2 lectures en cours. Et sinon, une fois n'est pas coutume, je suis passée à la librairie ce matin et je me suis acheté 2 livres. Et un autre, je me le suis commandé sur Amazon. Alors, le premier livre que je me suis pris, sans grande surprise, c'est L'île du diable de Nicolas Beuglet. Pourquoi ? Parce que c'est tout simplement le tome 3 et dernier tome de cette trilogie de dingue. Il est beaucoup plus petit. Il fait 300 pages, alors que celui-ci, c'est 550, un truc comme ça. Ou 575. Donc, il est vraiment plus petit. Et je vous parlais de l'ancienne édition. Oui, parce que vous êtes peut-être au courant, mais Pocket a changé ses éditions. Et donc, ils sont en train de tout réimprimer. Enfin, quand ils réimpriment avec la nouvelle édition. Et du coup, c'était très important pour moi de bien choisir le tome 3 parce que du coup, il est assorti. Alors que le nouveau est noir, je pense, sur le côté parce que c'est un thriller. Et du coup, il est assorti aux 2 précédents tomes que j'ai déjà dans ma bibliothèque. Donc le premier, pour rappel, c'est Le Cri. Je vais vous le mettre là, comme ça vous avez toute la trilogie en entière. Donc ça, c'est le premier tome. Le tome 2, qui est... Le premier tome, c'est le plus gros.
tome 2 qui est un peu plus petit et le tome 3 qui est vraiment plus petit en termes de nombre de pages. Donc voilà, une super trilogie. En tout cas, le premier tome, c'est certain. La première partie du tome 2 aussi. Tome 3, évidemment, je ne sais pas encore vous dire parce que je ne l'ai pas lu. Donc voilà, je me suis procuré ce tome 3 et c'est d'ailleurs pour ça que j'allais en librairie avant qu'il n'y ait plus de tome 3 ancienne version disponible aux éditions Pocket. Donc voilà, ça c'est le premier achat que je me suis fait. Et le deuxième achat que je me suis fait, il s'agit d'un tome 7, 6, je ne sais plus. Donc, c'est la saga, une enquête de Loveday and Ryder, saga que je n'ai plus continué depuis longtemps. Il m'en manque deux. Enfin, je pense que j'ai toute la saga dans ma palle. Je pense que j'ai lu les 5 premiers. Oui, donc je crois que ça doit être le 6e, mais je vais vérifier. Il y a l'étiquette du magasin que je vais enlever. Du coup, oui, je disais que j'adore. C'est une saga de cozy mystery que j'aime énormément, qui met... c'est l'histoire d'une jeune policière qui n'est pas très bien reconnue dans son poste de police parce que c'est une femme notamment et qu'elle est jeune, mais principalement parce que c'est une femme. Et donc, c'est un duo avec cette jeune policière et le vieux, façon de parler... coroner, pourquoi ? Parce que c'est une vieille personne et du coup bah, ils forment un duo d'enfer et on va suivre leurs aventures et les enquêtes qu'ils mènent ensemble. Donc voilà, alors je voulais savoir quel tome c'était. Donc, ah oui, et pour rappel, on est en 1962, ou en tout cas en 1960, ici 1962, mais dans les autres on est aussi. Et du coup c'est assez sympa comme contexte historique. Pour un cozy mystery. Donc voilà. Alors je voulais. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc ça c'est le 7e. Alors le 6e que j'ai pas encore lu mais que j'ai, c'est Couronnement fatal à Middle Fenton. Je vais le mettre ici de mémoire, la couverture est rouge. Couronnement fatal à Middle Fenton. Et ça c'est le tome 7. Et je pense que c'est le dernier. Tome sorti. Ouais, je pense. Alors, je sais aussi, et je les vois ici, qui sont sortis en poche. Donc ça, pour rappel, c'est semi-broché. Oui, semi-broché. Ici, ça, c'est un poche. Ça, c'est un semi-broché. Alors, dans les semi-brochés, il y a plusieurs tailles. Mais donc, c'est un semi-broché. Mais cette saga est également sortie en poche aux éditions HarperCollins Poche. Et là, vous avez les 5 premiers. Donc voilà, ici c'est HarperCollins noir, donc oui, semi-broché pour un cozy mystery. Donc je suis ravie de m'être procuré le tome 7 et ça va me motiver de lire le tome 6 et de continuer cette super saga parce que j'aime énormément. Donc voilà mon deuxième achat. Alors, je suis tombée par hasard dessus et quand je l'ai vu, je me suis dit, c'est pas la première fois, mais je me suis dit, allez, cette fois-ci, je le prends. Donc mes deux achats en librairie. Et alors, je me suis acheté un livre sur Amazon. Pourquoi ? Parce que c'est un livre qui sort, je pense d'ailleurs, aujourd'hui, au moment où je vous parle. Non, mais le jour où je vous parle, donc le mercredi 20 septembre. Il sort en poche et du coup quand il y a des sorties poche, j'ai toujours un petit peu peur en fonction de la collection que moi j'ai que ce soit de plus en plus difficile à se procurer le grand format. Et si vous avez vu mes vlogs précédents, sans grande surprise, je me suis pris le troisième et dernier Ellie Midwood traduit jusqu'à présent en français aux éditions Faubourg Marigny et il s'agit de La fille qui s'échappa d'Auschwitz. Que je n'avais pas encore dans ma palle. J'ai lu tout récemment le dernier et c'est... Il n'est pas là. Si... Oh, j'ai oublié. Je viens de le lire, c'était ma dernière lecture. C'est pas là où sont tes racines, c'est... La fille à la robe... La fille, je vais pas lire d'ici, mais oui, La fille à la robe rayée. Je vais vous mettre la couverture ici qui est sortie entre-temps en librairie, donc n'hésitez pas à vous le procurer si vous le souhaitez. Donc, c'est mon premier Ellie Midwood que j'ai lu et j'avais énormément aimé, j'avais été énormément touchée et bouleversée.
Du coup, La violoniste d'Auschwitz, que je mets également ici, est un autre livre, le premier qui a été traduit par les éditions Faubourg Marigny en français, de cette autrice qui est sortie l'année passée. Non, celui-ci est sorti l'année passée, qui est sorti il y a 2 ans. Bref, je refais les choses dans l'ordre. Le premier traduit en français de cette autrice par les éditions Faubourg Marigny, c'est La violoniste d'Auschwitz, que je mets ici, que j'ai dans ma palle, mais que je n'ai pas encore lu. Le deuxième qui est sorti l'année passée, donc il est disponible en poche, le premier tome. Le deuxième tome qui est sorti l'année passée, qui vient de sortir en poche, qui sort aujourd'hui en poche, c'est celui-ci, La fille qui s'échappa d'Auschwitz, toujours évidemment de la même autrice. Et le troisième que j'ai lu et que j'ai terminé dans le vlog précédent, La fille à la robe rayée, toujours de la même autrice évidemment, et aux éditions Faubourg Marigny, qui vient de sortir en grand format aux éditions Faubourg Marigny. Celui-là, je l'ai et je l'ai lu. Donc voilà, ça fait 3 livres de la même autrice et j'avais vraiment envie d'avoir. D'ailleurs, je dois encore me procurer le nouveau parce que je l'avais reçu en épreuve non corrigée. Et si vous vous souvenez, le dos du livre n'est pas comme ça. Et même la finition du livre n'est pas tout à fait la même non plus. Et du coup, j'avais envie. Ah ben voilà, La violoniste d'Auschwitz. Donc ça, c'est le premier. Alors, c'est pas du tout une saga. Ils se lisent indépendamment, mais c'est juste pour remettre un peu de chronologie au niveau des parutions. Donc celui-là, il est déjà sorti en poche et c'est aux éditions J'ai lu. Et il coûte 9,10 €. Voilà, vous avez toutes les infos. Et du coup, oui, c'était important pour moi de les acheter tous les trois comme ça. Et donc, en librairie aujourd'hui, j'ai regardé s'il y avait le nouveau, mais il n'était pas là. Donc je vais sûrement le croiser. On a l'impression que je parle d'une personne. Je vais sûrement le croiser en librairie dans les prochaines semaines parce qu'il vient de sortir. Donc ça, je me fais pas trop de soucis, mais celui-ci, c'est vrai que j'avais un peu peur de ne pas l'avoir en grand format. Donc je me suis précipitée sur Amazon pour pouvoir choisir. On peut choisir grand format ou format poche. Et voilà. Donc je ne sais pas quand je vais lire. J'ai envie de tout lire pour l'instant. Ça fait depuis un moment même. Il y a des périodes comme ça où j'ai envie de rien lire et rien ne me donne envie, alors que là, c'est tout le contraire. D'ailleurs, je pars en vacances mercredi prochain, donc pile dans une semaine. J'ai essayé d'un petit peu préparer ma pile à lire de vacances. Autant vous dire que j'ai eu beaucoup de mal. Donc voilà, je suis encore en hésitation. De toute façon, je prends ma liseuse avec moi, donc évidemment, j'aurai de quoi lire, ça c'est sûr. Mais c'est vrai que c'est toujours chouette aussi d'avoir des livres en papier, physique, avec soi. Enfin, en tout cas, moi j'aime bien. Mais vu que je prends l'avion, évidemment, je vais pas en prendre trop. Et ceux que je vais prendre, je vais essayer de prendre que des poches. Donc voilà, mais en tout cas, en la faisant, j'étais en train de prendre dans ma bibliothèque. Ah oui, ça j'ai trop envie de lire. Ah oui, ça aussi, ça aussi, ça aussi. Et ça n'arrêtait pas. Donc à un moment, je me suis dit, Marie, stop, arrête. Quel livre est-ce que tu es quasi sûre de lire? Alors, je n'arriverai pas à tous les lire, mais quel livre est-ce que tu es quasi sûre de lire au bord de la piscine, avec ce contexte de vacances, etc. Donc voilà, pile à lire que je vous montrerai probablement, peut-être dans ce vlog-ci, ou alors dans le prochain vlog qui vous parlera de mes vacances. Donc ça, on verra un petit, enfin, je verrai un petit peu. D'ailleurs, normalement, si tout va bien, ce vlog-ci sortira mercredi, donc au moment où je serai dans l'avion. Oui, probablement. Parce que je vais essayer de le monter mardi, enfin de faire le montage mardi, pour que vous puissiez le visionner mercredi, enfin qu'il puisse sortir et être publié mercredi quand je suis en vacances. La seule question, je ne sais pas si Nico compte prendre son ordi du bureau ou pas. La seule question, c'est est-ce que vous aurez le vlog la semaine d'après à temps ou pas? Parce qu'on part 10 jours, donc le mercredi d'après, je serai encore en vacances. Mais bref, c'est une autre question. C'est pas grave, je m'emballe un petit peu. Je vais voir un petit peu niveau organisation. Parce que je ne suis pas trop chaude de prendre mon ordi juste pour monter le vlog. Après, je sais que je peux monter le vlog sur mon iPad. Mais je sais que c'est pas la même chose non plus et je sais pas comment faire pour avoir l'introduction et la conclusion que j'utilise toujours. Bref, c'est pas grave. Du coup, je reviens au livre que je me suis acheté. Donc je me suis pris ces 3 livres-ci
Et mes deux livres en cours pour le moment, c'est ceci. Donc voilà, trop contente. Je réalise que ça fait beaucoup de nouveaux livres qui rentrent dans ma palle. Mais voilà, j'avoue que je suis un petit peu le flou de mes envies pour l'instant, sans me mettre trop de barrières non plus. Enfin bref, non. Sans me mettre trop de barrières, oui et non, parce que si je ne me mettais pas de barrières du tout, j'achèterais façon de parler toute la librairie. Mais voilà, c'est vrai que ce sont des petits plaisirs que je me fais et j'en profite vraiment. Enfin, c'est trop chouette. Moi, j'adore ça. Donc, chacun ses petits plaisirs, comme on dit. Donc, voilà. Du coup, je vais aller ranger ça dans ma bibliothèque. Enfin, pas ceux-là. Mais je vais aller ranger ça. Où je vais d'abord peut-être faire des photos pour vous mettre sur Insta les nouveaux livres que j'ai achetés. Et puis, je vais aller les ranger dans la bibliothèque. Et je vais me poser avant mon prochain cours pour un petit peu me reposer. Et je crois que je vais regarder le vlog de Sophie du compte du Café des Livres, parce que je ne l'ai pas encore regardé cette semaine et je crois que je vais faire ça. Bref, là ça fait quelques minutes que je raconte un peu du pâté, donc je m'arrête ici et je vous reprends plus tard. Je vous reprends et on est vendredi après-midi, on est vendredi 22 septembre. Je vous reprends pour vous faire un petit update lecture. Alors, première chose, je suis toujours en cours de Complot de Nicolas Beuglet. Alors j'ai un petit peu avancé, mais pas tellement depuis que je vous ai pris. Je pense que c'était mercredi, quelque chose comme ça. J'ai eu une suite et fin de semaine. Et d'ailleurs, la semaine n'est pas terminée pour moi parce que j'ai formation demain toute la journée. Dernier jour de formation de ma formation, toujours la même, formation coaching. Et du coup, j'avoue que j'ai une semaine assez intense, une super semaine qui est passée très très vite avec de jolies choses. Mais c'est vrai que... Comment dire? Bah oui, c'était très intense et j'ai pas eu l'occasion de beaucoup me poser. Plutôt en début de semaine, lundi j'avais rien et mercredi j'avais rien. Mais mardi soir j'avais quelque chose, bah, la rentrée de l'université dont je vous parlais juste avant, je pense. Hier soir j'avais une soirée familiale. Ce soir on a un dîner avec la famille de Nico. Demain j'ai formation toute la journée et dimanche j'ai rien. Et je suis presque en vacances, façon de parler, parce que lundi, je ne travaille pas. Mardi, je travaille à l'école pour faire du coaching scolaire. Et mercredi, on part en vacances. Donc voilà, juste encore un tout petit peu tenir. Mais comme je dis, que des très chouettes choses. C'est juste que c'est vrai que je suis fort fatiguée en cette fin de semaine. J'espère que demain, ça ira et que je profiterai de mon dernier jour de formation. Mais à mon avis, une fois sur place, la fatigue va partir et j'arriverai à me concentrer sur le moment présent. En tout cas, jusqu'à présent, c'est ce que j'ai réussi à faire avec cette formation-là, en tout cas. Donc, j'espère que ce sera le cas pour le dernier jour. Bref, tout ça pour vous dire que je suis toujours dans le complot. J'ai pas beaucoup avancé parce que j'ai pas eu beaucoup l'opportunité. Mais ce livre, enfin, du peu que j'ai avancé, il y a de plus en plus de suspense. Je suis vraiment comme une petite fille entre guillemets qui attend Saint-Nicolas, alors que ici c'est pas du tout Saint-Nicolas, c'est pas du tout un truc drôle, mais je suis vraiment passionnée et à fond dans cette lecture, donc j'ai vraiment hâte de continuer. Et à mon avis, pour aller à la formation, j'ai quand même 40-45 minutes de route, donc je vais probablement continuer. Même si ça dépend de ma fatigue, parce que si je suis trop fatiguée, je risque de ne pas être concentrée sur l'audio et du coup, à ce moment-là, je mettrai de la musique. Donc voilà, bref, tout ça pour vous dire que je suis toujours dans ma lecture audio de Complot, tome 2 d'une trilogie, enfin de la trilogie, mais je vous en ai déjà parlé ici, dans ce vlog-ci, je pense. Du coup, oui, surtout que je me suis acheté le troisième tome, donc je suis certaine que je vous en ai parlé. Donc ça c'était pour l'update audio, l'update papier. J'ai terminé le réseau Jeanne de Heather Marshall aux éditions Charleston et gros coup de cœur pour moi. Je vous avais dit que j'avais énormément d'attentes par rapport à cette lecture. J'avais entendu que du bien de cette lecture. Et c'est un sujet particulier qui me touche énormément et d'autant plus aujourd'hui étant donné que j'ai lu ce livre en étant enceinte.
Donc on parle ici de la maternité et plus précisément une partie sur l'avortement. On va suivre dans cette histoire trois femmes, trois histoires de femmes, trois générations différentes, trois temporalités différentes. La structure de ce roman est super bien faite, ça nous donne vraiment envie de tourner les pages et de poursuivre cette lecture et de découvrir les aventures, enfin la suite des aventures des personnages. Il faut savoir que c'est pas un livre facile, c'est un livre que j'ai trouvé très très beau, mais c'est pas un livre facile. Il y a des scènes, enfin déjà par la thématique est pas aussi facile que ce qu'on pense, elle est bien plus complexe. Et surtout, bah, quand on remonte dans le temps, c'est dans quelle année? Je sais plus exactement ici. 1983, mais même avant, on démarre en 1960 de mémoire. Mais bref, tout ça pour vous dire qu'à ce moment-là, bah, la maternité et l'avortement est vu d'un autre point de vue que ce qu'on a aujourd'hui dans certains, enfin, dans nos régions à nous. Et encore, je pense que malheureusement, l'avortement est encore très très mal vu et illégal dans certaines régions, voire certains pays. Bref, tout ça pour vous dire que la structure utilisée pour raconter cette histoire, je l'ai trouvée super adaptée à l'histoire et j'ai vraiment aimé. Il y a une petite mouche. J'ai vraiment vraiment beaucoup aimé comment l'autrice aborde les différentes thématiques parce que c'est pas seulement l'avortement, c'est vraiment la maternité au sens large. Et d'ailleurs, il y a des notes de l'auteur à la fin du livre et elle démarre en disant que ce livre, quand on lui demande de quoi parle son livre, elle va pas dire l'avortement, elle va plutôt dire la maternité, parce que d'après elle, la maternité est beaucoup plus large que seulement l'avortement. Donc voilà, vraiment super construction de romans, d'histoires. Au-delà de ça, les personnages sont super attachants. Je vous disais l'histoire de trois femmes. Ben, trois femmes, moi, qui m'ont marquée, que je suis pas prête d'oublier, ça c'est certain. Et trois femmes qui ont une histoire juste incroyable, qui sont super inspirantes, qui ont des valeurs incroyables et je vais essayer vraiment de me nourrir des valeurs qu'elles dégagent et des valeurs qu'elles prônent. Parce que c'est vraiment de très 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 beaux exemples, je trouve, de beaux exemples à suivre, de belles inspirations et malgré le fait que leur vie n'a pas été toujours facile, loin de là. Si vous lisez le roman ou si vous avez déjà lu le roman, vous comprendrez. Mais il y a plein de rebondissements dans ce livre et ça dynamise vraiment le récit et on n'a qu'une envie, bah c'est avancer, continuer et on passe de rebondissement en rebondissement. Alors au niveau des... Donc je vous ai parlé du fil conducteur, enfin de la structure, des personnages, de la thématique. Au niveau des émotions, c'est un roller coaster d'émotions. C'est ce que j'ai écrit dans ma chronique sur Instagram d'ailleurs qui est disponible. On passe par plein d'émotions et je trouve que la plume de l'autrice nous aide vraiment à bien ressentir les émotions et elle nous facilite la lecture, je trouve, de ce récit et de cette histoire. Donc il y a beaucoup beaucoup d'émotions, pas toujours agréables, voire même très désagréables. Il y a des gens qu'on déteste dans cette histoire pour mille et une raisons, mais en tout cas il y a beaucoup beaucoup d'émotions et c'est tout ce que j'aime dans un roman. Donc voilà quelques mots sur cette magnifique histoire que je ne suis pas prête d'oublier. Vraiment c'est un gros coup de cœur et un coup de poing pour moi. Une thématique, comme je dis, qui me touche davantage aujourd'hui. Une thématique bien complexe et une thématique très 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 actuelle et encore beaucoup trop peu, comment dire, développée, oui et non, mais en tout cas trop injuste, je trouve, dans certaines régions, voire certains pays. Donc voilà un petit peu le topo sur ce livre. Si la thématique de la maternité vous intéresse, n'hésitez vraiment pas à vous lancer dans cette histoire. Par contre, si la maternité ne vous intéresse pas du tout ou que vous n'avez pas envie de lire sur le sujet, ou en tout cas pas maintenant, que c'est pas le bon moment, ne vous lancez pas là-dedans parce que c'est le cœur, c'est le centre de ce roman.
Donc, je ne pense pas que ce sera adapté à vos besoins et à vos envies du moment. Donc voilà. Mais en tout cas, moi, je ne peux que vous recommander ce livre. Il faut juste savoir dans quoi on s'embarque juste au niveau de la thématique, je trouve, parce que c'est une thématique particulière. C'est comme... Alors, ça n'a rien à voir, mais récemment, j'ai lu un livre qui parlait d'Auschwitz. Je trouve que c'est le... Autant je ne suis pas la fan... Enfin, je ne vais pas lire les quatrièmes de couverture. Autant, de temps en temps, il y a quand même des livres qui sont importants, à savoir la thématique, le cœur du livre. Quand je me lance dans un livre qui va parler d'Auschwitz, personnellement, j'aime quand même bien être au courant que ce livre va parler d'Auschwitz parce que, pour moi, toute lecture est une question de timing. Il y a des moments où j'ai envie de découvrir davantage sur cette période de Deuxième Guerre mondiale. Il y a des moments où c'est juste pas le moment que je lis là-dessus. Et c'est tout à fait OK. Mais du coup, je trouve personnellement que c'est important juste de savoir le thème principal de ce livre-ci, sans pour autant savoir comment et ni ce qu'on va en faire, et ce qu'on va en dire, et ce que les personnages vont vivre. Mais c'est important de savoir que ça parle de ça, je trouve. Donc voilà, vous en faites évidemment ce que vous voulez, libre à vous de le lire ou pas, et de le lire quand vous pensez que c'est le bon moment. Donc voilà, mais en tout cas, moi je me suis régalée, une magnifique histoire, gros coup de cœur, et je suis super contente d'avoir découvert ce roman. Donc ça, c'était pour ma dernière lecture. Alors, j'ai démarré une nouvelle lecture là tout à l'heure. Mais je ne peux pas vous en parler parce que c'est une épreuve non corrigée, encore secrète, surprise. Et du coup, donc je la lis sur ma liseuse, mais du coup, je ne peux rien vous dire dessus parce que c'est encore confidentiel tout simplement. Donc voilà, ça n'avance, enfin ça vous donne pas beaucoup d'infos, mais c'est la réalité pour l'instant. Évidemment, je vous en parlerai au moment venu, ça c'est sûr. C'est aussi l'objectif de lire cette ENC en avant-première. Mais en tout cas, j'ai démarré un nouveau livre qui est, je pense, très prometteur, que j'ai hâte d'approfondir et de découvrir. Là, j'ai lu les deux premiers chapitres, donc vraiment rien. Mais en tout cas, je suis déjà... dans l'histoire, et enfin dans l'histoire, oui et non, je suis dans ces deux premiers chapitres là en tout cas. Je trouve l'écriture très fluide et j'ai hâte de continuer et de pouvoir vous en parler, mais step by step, étape par étape, c'est pas encore le cas et c'est pas encore pour tout de suite. Donc voilà au niveau de ma nouvelle lecture papier. Et sinon, j'ai été à la boîte aux lettres et j'ai reçu un beau gros colis. Alors, je pense savoir ce que c'est et je pense que ça va être vérifié juste ici. Oui, roman étranger HarperCollins au gré du monde. Alors, il faut savoir que HarperCollins va lancer une nouvelle collection de livres étrangers au mois d'octobre, je pense. Oui, je crois que c'est ça. Alors, je vais l'ouvrir pour confirmer. J'aurai l'info, à mon avis, dans la boîte. Et du coup, ils m'ont contacté pour savoir si j'étais intéressée de faire partie de leur début d'aventure. Et évidemment, j'ai accepté avec grand, grand, grand plaisir. Et du coup, j'ai reçu la nouvelle boîte avec leur premier roman. Alors, je ne sais pas si c'est les deux premiers romans ou juste le premier roman. Je vais voir ça tout de suite. Je vais l'ouvrir. Mais du coup, ce que je propose, c'est que je vais l'ouvrir de mon côté et je vous montrerai après ce qu'il y a dedans. Donc ça y est, j'ai ouvert le colis un peu à l'arrache, mais ça y est, c'est bon, il est ouvert. Du coup, je découvre en même temps que vous et ça promet de jolies choses. J'adore la couverture du livre. Alors, c'est pas le livre, hein, mais c'est la couverture qu'ils ont choisie en tout cas. Donc, c'est de Anne Jacobs, Café Angel, une nouvelle ère. Alors, ceci, qu'est-ce que c'est? C'est du café. Café pur arabica fabriqué en France. Ah ben, trop chouette. Trop, trop chouette. Ça promet d'être un bon café. Nico aussi va être content parce qu'il boit du café. Donc, on va pouvoir se régaler tous les deux. Donc, ça, c'est la première chose. Ensuite, on a un joli marque-page. Ah, il y a déjà la suite. Ah, bah oui. Ah, waouh. Donc ça, c'est celui qui va sortir maintenant. Et ici, parution mai 2024. Ah, ça, j'avais pas encore du tout vu la couverture, par contre.
Trop trop belle. Café Angel, les années fatidiques. Ah, mais donc ça doit être une saga en fait. Qu'est-ce qu'il est mis sous le pseudonyme de Marie Lamballe? Ah, punaise. Ah, bah trop chouette. Je ne savais pas ça. Je découvre. Du coup, oui, pour rappel, c'est la nouvelle collection de HarperCollins au gré du monde qu'ils ont lancée ben, maintenant avec de nouveaux romans. Et alors, ça, c'est leur deuxième roman. Un joli marque-page également. Et du coup, ici, il s'agit de Tant de nuances de pluie de Assa Lemi. Un premier roman bouleversant sur le passage à l'âge adulte et l'acceptation de soi. Oula, ça me parle beaucoup. Alors, je les avais déjà reçus. Enfin, j'en avais déjà entendu parler en interne, si vous voulez, en coulisses. Mais je ne sais pas si j'avais déjà lu ça. Ou alors, peut-être qu'il l'avait déjà dit, mais je suis passée à côté de l'info. Mais en tout cas, le passage à l'âge adulte et l'acceptation de soi, ça me parle beaucoup, beaucoup. Donc ça, c'était les deux petits marque-pages. Alors ça va être à mon avis leur carnet avec toutes les nouvelles parutions. Exactement. Donc trop, trop chouette. Je vais regarder ça à mon aise après. Et alors, j'imagine les romans. Ils sont trop beaux. Donc ça, c'est Tant de nuances de pluie de Assa Lemi, donc le livre. Trop, trop, trop beau. Je vais hop, faire comme ça. Alors, la lumière n'est pas dingue parce qu'on est en fin de journée. Best-seller du New York Times. Alors, celles et ceux qui veulent, n'hésitez pas à lire la quatrième. Moi, je ne l'ai pas lue. Je l'ai juste lue en diagonale pour savoir si ça allait m'intéresser. Mais je ne l'ai pas lue beaucoup plus que ça. Juste la fin. Tant de nuances de pluie est une épopée éblouissante qui traverse décennies et continents avec une grâce inouïe. Ça promet une très 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 belle lecture. Ah oui, le focus va pas se faire. Je sais pas si je vais réussir. Voilà. Bref. Donc, ce livre-ci. Et ensuite, le nouveau livre de Anne Jacobs. Je sais pas si le focus, voilà, va se faire. Café Angel, une nouvelle ère. Par l'autrice de la série best-seller La Villa aux étoffes. Pour rappel, La Villa aux étoffes, elle est sortie aux éditions Charleston ainsi que 10-18, je pense. À vérifier en format poche, mais je pense que c'est aux éditions 10-18. Donc voilà, et le colis est fini. Enfin, fini. Et vide, quoi. Donc, trop chouette. Je vais retourner la caméra et vous prendre dans l'autre sens. Et du coup, je vous reprends dans ce sens-ci, même si ça ne va pas durer très très longtemps parce que je vous ai déjà tout montré. Donc, le premier livre que j'ai reçu, Tant de nuances de pluie, de Assa Lemi, et donc aux nouvelles éditions HarperCollins au gré du monde. Je trouve que la couverture est vraiment très 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 jolie. Vraiment top. Alors, il y a des reflets parce que, comme je disais, on est la fin de journée. Enfin, il n'est pas si tard que ça, il est 5 heures, mais je trouve que. Au niveau luminosité, on voit vraiment la différence. Il faudrait que j'investisse dans une ring lamp. Non, comment on appelle ça? Oui, ring lamp. Bref, j'en sais rien, mais vous voyez l'idée avec la lumière. Mais c'est vrai que j'ai pas encore pris le temps de regarder sur Internet. Bref, je l'ai reçu avec le joli marque-page assorti. Vraiment très très joli. Et alors, le deuxième, et je suis trop contente. Une nouvelle saga de Anne Jacobs, donc Café Angel ou Café Angel, c'est le, oui c'est mieux, Café Angel, c'est le nom de la saga. Et donc ce premier tome, c'est une nouvelle ère, oui une nouvelle ère. Et donc pour rappel, je disais, c'est celle qui a écrit la saga de la Villa aux étoffes, 6 tomes qui sont sortis aux éditions Charleston. Donc voilà le bébé. Alors moi évidemment. J'enlève le bandeau et je trouve même chose que la couverture est magnifique. Vraiment. Ah, je ne vous ai pas dit le nombre de pages. Ici, c'est 584. Et du coup, avec le marque-page également. Et l'autre, j'ai oublié de regarder le nombre de pages. 530. Donc, il est un tout petit peu plus petit que l'autre. Que le Anne Jacobs, mais c'est
Ça va être trop beau dans la bibliothèque. Et donc, vous voyez ici le logo qu'ils ont choisi. Donc, HarperCollins, au gré du monde. Trop, 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 trop chouette. Trop contente. Un immense merci aux éditions HarperCollins pour l'envoi de ce colis, de ce très, très, très beau colis avec... comme petit goodies, le café, j'adore l'illustration, vraiment elle est très 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 belle. Café que j'ai hâte de goûter et alors je vais regarder le petit fascicule ici. Alors j'ai pas de date, je vous ai pas encore dit quand sortaient les livres. Alors, ici, Café Angel, bon ça c'est déjà le numéro 2, ce sera mai 2024. Ici, Anne Jacobs, parution octobre 2023. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme info? Événement. L'autrice de la série best-seller La Villa aux étoffes revient avec une nouvelle saga familiale captivante autour d'un café emblématique dans l'après-Seconde Guerre mondiale. Et là, on est à Wiesbaden en 1945. J'adore l'illustration, vraiment magnifique. Donc ça, c'est le premier. Et alors, le deuxième, Tant de nuances de pluie. Parution octobre 2023 également. Donc, c'était correct. Et on est ici à Kyoto en 1948. Immense best-seller aux États-Unis, traduit dans 15 pays et en cours d'adaptation TV. Tant de nuances de pluie est un premier roman bouleversant sur le passage de l'âge adulte et à la quête d'acceptation de soi d'une jeune femme dans le Japon de l'après-Seconde Guerre mondiale. Trop bien, ça va être trop, 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 trop bien. Ah, et alors il y a les autres parutions, trop bien. Ça, je vais regarder à mon aise et ça, je sais pas. Oh, celui-là, il me fait trop envie. Je sais pas si je peux déjà partager ça. Donc, je vais pas le faire pour l'instant. Mais en tout cas, je peux vous dire que ça promet de magnifiques parutions. Oh, celui-là aussi. J'ai encore rien lu hein, au niveau des quatrièmes, mais rien que les couvertures, je les trouve splendides. Ah ouais, trop, 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 trop bien. Trop chouette. Bref, ça clôture l'ouverture de ce beau colis de HarperCollins. Encore un immense merci avec ces deux livres, le goodies, le carnet que j'ai hâte un petit peu de regarder d'un peu plus près. Et c'est juste trop chouette. C'est vraiment trop, 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 trop chouette. Je suis remplie de gratitude d'avoir reçu ce colis et d'avoir été contactée par les éditions HarperCollins. Ça me touche énormément. Et voilà, je tiens vraiment à les remercier de tout cœur d'avoir pensé à moi au moment d'envoyer ces colis. Et voilà. Bref, tout ça pour vous dire que je m'arrête ici. Et du coup, pour mes deux lectures en cours, ma lecture audio et ma lecture ENC dont je ne peux pas encore vous parler. Voilà, je m'arrête ici et je vous reprends plus tard. Je vous reprends et on est lundi matin en pleine matinée. Ça y est, je suis en vacances, je suis trop contente. Enfin, je travaille juste demain encore à l'école. Mais à part ça, je suis en vacances, j'ai eu un week-end assez intense, enfin hier c'était chill, mais samedi j'ai eu formation. Bref, tout ça pour dire que je ne vous ai pas repris depuis vendredi, je crois que c'était vendredi, bref. Du coup, je reviens pour vous faire un petit update lecture, puis je clôturerai le vlog ici, parce que comme ça, ça me laisse le temps de le monter cet après-midi. Demain, je dois aller à l'école pour avoir quelques coachings, puis j'ai un rendez-vous médical. Et puis, le soir, j'ai un dîner et le lendemain, on part, enfin, mercredi matin, on part en vacances le matin. On décolle à 9h40. Donc voilà, dans mon organisation, le mieux, c'est de clôturer le vlog aujourd'hui. J'ai de la peinture plein les doigts et plein les mains. J'en suis désolée, ça part pas tout de suite quand je me lave les mains. Mais on est en train de faire des petits travaux avec Nico. C'est pour ça d'ailleurs qu'on n'est pas encore... parti en vacances parce qu'on souhaitait avancer encore un petit peu dans la maison hier, mais finalement hier on n'a rien fait, on était tellement fatigués. Un petit peu aujourd'hui et demain Nico va faire quelques trucs, mais moi j'irai à l'école. Bref, je vous fais un petit update de lecture, même si ça va aller relativement vite car je suis toujours dans complot, même si j'arrive à la toute fin.
il me reste, donc je suis à la page 481 et il y en a 571. Donc il me reste 90 pages. C'est trop bien. Je kiffe ma lecture. C'est pour moi un page-turner. Alors moi, je l'écoute en audio, certes, donc j'ai pas le je tombe pas les pages, mais en tout cas, c'est vraiment super bien. Il y a beaucoup de suspense. Les thématiques abordées me touchent beaucoup, mais comme je disais, de 1, c'est un tome 2, donc je vais pas parler du fil rouge et de l'histoire principale. Et de 2, les thématiques font partie de l'enquête et on découvre ça, on découvre pas ça tout de suite. Du coup, je ne dirai pas grand-chose par rapport au contenu du livre. Parce que j'ai pas envie de vous spoiler tout simplement, et moi personnellement j'ai aimé et adoré même découvrir les thématiques, etc., au fur et à mesure, oui, les thématiques et le contenu du livre au fur et à mesure que je lisais. Donc je vous parlerai pas beaucoup du contenu de ce livre au niveau de ma chronique. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'adore, qu'il y a énormément de suspense, que j'ai envie d'avancer là et de le terminer, et que pour moi c'est vraiment une trilogie super bien réalisée, bien pensée, que les thématiques sont très 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 importantes. Après, j'ai un peu hâte, j'espère qu'il y a un mot de l'auteur à la fin pour voir ce qui est, pour différencier un petit peu le vrai du faux. Mais en tout cas, c'est vraiment une très 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 belle lecture. Donc voilà, j'ai hâte de le terminer, de savoir la fin. Il y a encore plein de questionnements et de savoir évidemment comment ça va se finir. Donc ça, c'est ma lecture audio en cours. Et alors, ma lecture papier. J'ai un petit peu avancé sur mon ENC secrète, comme je vous disais. Je ne peux pas encore vous en parler. Je suis à 20%, je pense, de la lecture. C'est une belle bricasse, mais j'aime beaucoup pour le moment. Mais voilà, je sais pas, enfin, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus pour l'instant. Donc, ça attendra. Donc voilà, mon update lecture est déjà terminé. Du coup, je vais clôturer ce vlog et je vais en ouvrir tout de suite un nouveau avec pour vous présenter un petit peu les livres que je compte prendre en vacances. Alors, je vous rassure, je ne vais pas prendre tout ça dans ma valise, mais... ça c'est quelques idées, il y en a quelques lectures que j'ai pris aussi sur ma liseuse parce que je pense que d'autres personnes de ma famille vont les lire, et il y a quelques poches que je vais prendre avec moi. Je trouve que c'est toujours chouette d'avoir des romans papier, donc voilà, de 1 je vais pas tout lire et de 2 je vais pas tout prendre avec moi. Donc voilà, mais ça, ce sera pour le prochain vlog. Prochain vlog qui, à mon avis, le montage sera un petit peu différent parce que je vais essayer pour la première fois, j'espère que ça fonctionnera, de faire le montage via mon iPad. Et comme ça, je ne vais pas prendre mon ordinateur avec moi. Donc, on verra ce que ça donne. Mais en tout cas, je vais essayer de tout faire pour que mercredi prochain, en plein milieu de mes vacances, un vlog puisse sortir. Ça, c'est l'idée. Donc, on verra bien. J'espère que ça fonctionnera. J'ai pas encore vraiment testé. Enfin, j'ai testé, mais sur des toutes petites vidéos. Donc, je sais pas comment ça va le faire. Ou alors, je prends mon ordinateur avec moi. C'est une autre option. Mais j'ai pas encore choisi. Bref, tout ça pour vous dire que le prochain vlog risque d'être un petit peu différent des autres. Mais voilà, vous découvrirez au moment même comment j'ai fait. Et si, j'espère que j'aurai fait quelque chose. Donc voilà, en tout cas un tout grand merci d'avoir regardé cette vidéo comme toujours, vraiment ça me touche toujours autant, merci d'avoir regardé jusqu'au bout, j'espère que que ça vous a donné quelques envies de lecture et que ça vous a fait éventuellement découvrir l'une ou l'autre lecture, et voilà, en tout cas merci beaucoup, comme toujours n'hésitez pas à venir sur Instagram, sur YouTube, en commentaire, en MP sur Instagram ou autre, pour venir discuter avec moi de ce vlog. Ça me fait toujours autant plaisir, donc franchement, n'hésitez pas. Merci aussi pour tous vos commentaires pour mon vlog précédent où j'annonçais la nouvelle. Et je tenais à vous remercier également de tous les messages que j'ai découverts, en fait, complètement décalés, parce que sur...
quand on va sur un ordinateur et qu'on va sur notre compte YouTube, on peut voir tous les commentaires auxquels on n'a pas encore répondu. Et suite à ça, suite à cette manipulation, j'ai réalisé qu'en fait, il y avait plein de personnes qui m'avaient envoyé de si gentils commentaires suite à mon retour sur YouTube depuis quelques semaines maintenant. Et voilà, donc je suis en train de répondre petit à petit à tout le monde, mais j'avoue que je ne les avais pas tous vus. Donc, je suis passée à côté de plein. Et voilà, tous les messages... c'était souvent trop content de que tu sois de retour, bon retour, etc. Et vraiment mille merci à toutes et à tous parce que c'est super gentil, ça me touche beaucoup et ça ne fait que m'encourager de continuer à faire ce qui me plaît, certes, sinon je le ferais pas, mais c'est vrai que le faire dans le vent, ben ça n'a pas beaucoup de sens non plus, donc voilà, un tout grand merci pour vos nombreux commentaires suite à mon retour sur YouTube et promis, je vais répondre à tout le monde, c'est juste que ça prend un peu plus de temps que ce que je n'avais prévu. Donc voilà, je m'arrête ici, je vous souhaite une très belle soirée, journée, semaine, week-end en fonction de quand vous avez regardé cette vidéo. Je vous dis à très vite et d'ici là, de très belles lectures.